Bienvenue au premier arrêt de la série Empire SMF, cette compétition de snowboard urbain qui se déroule en 5 étapes. Cette semaine, nous sommes dans la capitale nationale, à Québec. Au courant de la saison, nous aurons aussi la chance de vous présenter un regard exclusif sur certaines compagnies qui ont à cœur la progression du snowboard. Mais pour l'instant, allons rejoindre Hugues Beauchamp et Marc-André Fortin à la passerelle. Messieurs! Hey, merci Fred. Écoute, déjà une 11e saison pour l'Empire SMF, la série qui amène le snowboard en ville et ça à l'automne. Cette année, on débute la saison à Québec une fois de plus et j'ai avec moi Marc-André Fortin des boutiques Empire. Marc, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Good. Écoute, on va avoir plus qu'une quarantaine de riders ce soir qui vont s'attaquer au nouveau parcours de la série. On a 2 500 $ à remettre en bourse ce soir. Ils auront la chance aussi de participer à une finale bien spéciale. Ben oui, Hugues, si on se fait à l'année passée, ça fait faire la même chose cette année. On débarque à Montréal le 30 novembre pour la finale du Backyard Party. L'année passée, il faisait très froid, mais les boys nous ont gardé au chaud toute la soirée avec des gros trucs puis une foule qui n'arrêtait pas de crier. Fait qu'on a des grosses attentes cette année. Comme tu l'as mentionné, une série de 5 qui va mener à cette finale-là, la grande finale du Empire Backyard Party à Montréal. Sur ce, je vous invite à aller voir les images de l'an dernier. On est ici avec Maxence Parot, Empire SMF. Maxence, ça va bien? Ça va super bien. Super. Écoute, l'année passée, on a eu la chance de te voir en début de saison, justement, au premier arrêt à Québec. Tu as remporté ça haut la main avec, je me souviens, c'est un 4-50 sur le rail, right? Ouais, 4-50 de route. Je sais pas si ça a lancé ta saison, mais en tout cas, l'année passée, on peut dire que c'est vraiment, je pense, la saison qui a fait que tu t'es retrouvé vraiment dans l'élite mondiale. Ouais, ça a super bien été. Pas mal les compétitions, je me rendais toujours en finale, puis j'ai fait beaucoup de podiums, puis c'est de loin ma meilleure saison que j'ai eue jusqu'à date. Comment que t'as abordé la saison passée? Est-ce que ça t'a aidé vraiment de gagner le SMF en partant, ou t'as juste pris ça comme un starter? C'est certain que ça part d'une bonne note. Puis c'est plate parce que j'ai tout manqué les autres SMF après parce que j'étais parti en voyage en Europe. Mais ça a super bien parti puis ça m'a mis en confiance tout de suite. Évidemment, les entraînements, tout ça, ça t'a poussé à participer à d'autres événements. Puis justement, tu étais peut-être dans ta zone. Qu'est-ce qui était vraiment le highlight de ta saison l'année passée? Je crois que le highlight, ça a vraiment été l'X Games à Aspen. Je suis arrivé deuxième et puis c'est la première année que j'étais invité. Donc j'étais déjà super content d'être invité là-bas. Et puis, de m'avoir rendu en finale, puis t'es arrivé deuxième, mais écoute, ça voulait dire pas mal de choses pour moi. Là. J'imagine que si tu recules en arrière de un an, t'aurais jamais pensé être à l'étape où t'en es en ce moment. Sochi, tu vois ça comment en ce moment? Pour l'instant, pour être franc, je suis pas vraiment stressé. Écoute, justement, comme tu dis, il y a un an, je me voyais même pas aller aux Olympiques. Donc, j'ai vraiment poussé, puis essayé de performer au maximum. Et puis là, ben, je suis dans le top 4 canadien, puis ils prennent le top 4 pour aller aux Olympiques. Donc, ça s'enligne bien. Et puis, je vais vraiment là-bas avec aucun stress. Écoute, je fais plus de 25 compétitions par année. Donc, pour moi, les Olympiques, ça va être comme un autre contest. Puis, je vais aller là-bas avoir le plus de fun possible, puis essayer de gagner une médaille. Évidemment, Maxence, tu es encore jeune. C'est peut-être ta première chance d'aller aux Olympiques, mais sûrement pas ta dernière. Non, c'est ça, dans le fond, on a calculé ça. Et puis, je vais avoir la chance de faire 3 Olympiques si tout va bien, puis je me blesse pas. Donc, ça s'enligne bien. Bon, ben c'est super ça. On te remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Puis bonne chance pour ta saison qui t'arrive. Ben, merci. Merci Maxence. On décolle ça. 60 minutes, c'est parti la gang! Yes, avec un nose press tout le long du stand flat down, mon Hugues. Ça va être payant. Maxence qui drop in.
2-2 en textbook, très bien atterri. Dave Jean, premièrement, parle-nous du setup aujourd'hui. Comment tu te sens? Je me sens bien pour vrai. Je trouve que le downhill puis dans le plat-dedans, c'est vraiment cool. C'est différent de l'année passée, c'est sûr. Puis non, je suis bien content. En quoi c'est différent de l'année passée? L'année passée, c'est un setup différent à chaque événement. Puis là, c'est le downhill dans le plat-dedans. Puis je pense que ça va rester toute la série en plus. Fait que c'est pas mal cool. On va sortir des gros trucs à long terme. Il y a des gros trucs jusqu'à maintenant à Québec. Je veux vous entendre. Ouh! Mise en portefeuille. Première run jugée pour Jason Dubois en switch. Oh! Yeah! Au retour de la pause, nous présentons une page d'histoire du snowboard à travers la compagnie Burton. De retour à la série Empire SMF, mais avant d'aller à la compétition, nous vous présentons une page d'histoire du snowboard à travers la compagnie Burton. Hi, my name is Todd Coleman. And I'm the Burton Archivist. Archivist entails saving the physical product from year to year. And today we're here at the Vermont Ski and Snowboard Museum out in Stowe, and we're gonna be showing you the One Track Mind exhibit. So we're gonna be showing you highlights from Burton's history. So Jake Burton Carpenter grew up in Long Island, New York, and when he was 14 years old, he got into snurfing. He actually came up here with his dad to Stowe, Vermont on a ski trip where he tried snurfing for his first time. 6 months after finishing college, Jake moved up to Londonderry, Vermont, where he started the company. This was 1977. Behind Jake's house, he had a barn where he actually made over 100 different prototypes. And then the team and Jake would go to Bromley at night where they would bring a six-pack of beer and negotiate with the cat drivers to get up to the top of the mountain and test these prototypes. Because at that time, they weren't allowed to ride the lifts at resorts. They were out there hiking wherever they could just to earn their turns, whether it be at golf courses or sledding hills. This one over here is an example of his a wooden one, solid ash wood that he created here and took it and warmed it up and then bent it in a furniture bender. So the wood was nice and durable. He also experimented with foam and fiberglass where it was warmed up, then they used a gun and shoot it into a mold. And the thing about this one though is super heavy, but nice and waterproof. This one is fiberglass, nice and light, but not very durable. If you hit something in the snow, it would just break or blow up on you. So he stuck with wood, and wood was more durable, and that leads us to next, the BB1. So in the summer of 1978, Jake started making the BB1. The BB1 was the Burton board number one, also known as the Burton Backhill. And this one had the binding on it, which was inspiration from like water skis bindings. Here, the back foot would go under this strap. And then the BB2, also known as the backyard, was without bindings. The rope and the handle helped you initiate your turns because at this point you were not locked into the bindings yet. So in 1981, the shape got wider. Here, this board is from 82, a backyard, and a back hill here from 82. And as the evolution goes, here in 83, the heel strap came along.
And Jake jokingly called them the suicide straps because you're being locked into the board. And at that point, it was a bit scary to be locked into these. You have your side fins here to help you turn and still your rope to help you initiate your turns. In 1985, we came out with the Performer Elite, which was the first production board for us to have metal edges and a P-TEX base. And we worked with our factory in Austria to make this board. It was also the first year of the high backs, which we called high tops at that time. And what a difference that made getting your board on edge and turning. In 1988, we came out with the Air, and this was our first board that had the kicktail so that you could ride switch or backwards. In 1989, we came out with the Mystery Air, and the production did not have Craig's signature on the tail here. That, at that time, Burton and Sims were actually in a court situation over his contract, and Craig could not have his name on the Burton product yet, so this board was the Mystery Air, and the following year, 1990, was the Craig Kelly Mystery Air. In 1985, we came out with the first high back for us called the High Top. And it just attached on the back here, and then you had your toe strap here. So there was no base plate to the binding. So in 1993, this freestyle binding, we started the 3D inserts. And 3D inserts meant you could adjust your binding more different stance options versus just your five-hole pattern. The contact binding was a big part of Burton history. It was baseless. And it's actually a huge inspiration for modern EST bindings. So in the early 80s, Jake was basically sponsored by CB Sports, and he would rock those jackets and put the Burton patch on there. And then in 1984, Jake started doing his own soft goods, jackets and pants. And it was really important to Jake to make jackets and pants that were made for snowboarding. So once Jake started focusing on what's best for snowboarding as a sport, that's when it really started to take off. In 1982, the National Snowboarding Championships, later known as the US Open, was held at Suicide 6. And then after that, shortly after that, Stratton started to allow snowboarding. This was really huge. You know, Jake and the team would be teaching people how to ride, and then people would get certified. After 36 years, Jake and Don are still heavily involved with the company. Jake still gets out here and rides over 100 days a year. His attention to detail is amazing and pushes the product. He still has that same passion that he had when he started. Après la pause, la compétition. Série Empire SMF, mais avant de passer au final, les juges ont choisi les trois meilleurs trucs qui ont eu lieu en qualification pour vous. En troisième position, Alex Gauthier. En deuxième position, Julien Beaulieu. Et en première position, Jason Dubois. Une fois de plus, je vous rappelle que dans quelques secondes, on débute les tête-à-tête avec nos semi-finalistes de ce premier arrêt du Empire SMF. Premier tête-à-tête ce soir, Guillaume Marquis contre Dylan Ojo. On va avoir Jacques-Olivier Aymon contre Maxence Parot. Troisième tête-à-tête, Phil Fournier et Maxime Desgagnés. Et pour finir, on va avoir Jason Dubois contre Chris Collard. Une fois de plus, je vous rappelle le format 2-3. Bien hâte de voir la tournure des événements de cette semi-finale qui vient de commencer. Jason, un habitué des semi-finales et des finales. Facile, facile. Pour Jason Dubois, il connaît la poutine. C'est pas son premier, c'est pas son dernier. Droit de réplique, Collard. Collard avec un nose press back out qui est pas un truc qui a pas envie rien à personne. C'est une très belle manœuvre.
Ça va être 1-0 pour Jason Dubois. On retourne au départ cette fois-ci avec Chris Collard qui va se lancer en premier. Tentative de front-turn. Il n'a pas été capable de compléter son truc. Et ça, ça risque de lui faire mal parce que Jason Dubois est on point ce soir, mesdames et messieurs. Il atterrit pratiquement tout le temps ses trucs. On en a parlé tout au long de la compétition. La constance, c'est ce qui va faire gagner au bout du fil. On a vu que Jason a compris le message. Alors, Jason Dubois avance en finale. Le deuxième duel va opposer Jacques-Olivier Aymon à Maxence Parot. Donc, Jacques-Olivier s'élance. Oh oui! Petit peu de difficulté à la fin. Est-ce que ça sera assez pour Jacques-Olivier Aymon? On va le savoir dans quelques secondes. On a Maxence Parot qui va dropper en switch. Et cette fois-ci, là, c'est Jacques-Olivier Aymon qui va prendre le lead sur son tête-à-tête. Deuxième passage pour Maxence en semi-finale. Ça n'a pas été facile, une chute pour Maxence Parot. Et là, ça ouvre la porte à Jacques-Olivier Aymon qui mène déjà la ronde 1-0. Alors, c'est Jacques-Olivier Aymon qui passe et qui avance en finale. Au départ, Phil Fournier. Yeah! Oh! Phil Fournier, un back to in. Jusqu'à date, c'est le meilleur truc qu'on a vu en semi jusqu'à maintenant. Exactement. C'est droit de réplique pour Maxime Desgagnés. Il a malheureusement tombé. Donc, M. Fournier mène 1-0. Somme toute simple pour notre chum Max Desgagnés. Voyons voir ce que Fournier va nous sortir. Il a sorti un très beau truc lors de son premier essai. Et là, avec un board slide. Facile comme ça. Et là, c'est Phil Fournier qui va avancer lui aussi en finale. On a déjà deux finalistes, Jacques-Olivier Aymon et Phil Fournier. Donc, Guillaume Marquis qui s'élance. Marquis avec un front side no slide sur le down flat down. Marquis qui n'est pas super satisfait. C'est là que ça se joue, tout le monde. Droit de réplique pour Dylan Ojo. Dylan. Avec un nose press tout le long, on a débarqué un petit peu avant la fin du rail. C'est Guillaume Marquis qui l'a emporté. Alors, c'est 1-0, Guillaume Marquis. Le deuxième passage de Marquis et Ojo. On se reprend au départ. Cette fois-ci, c'est Dylan. Oh! On dirait que Dylan attendait la semi-finale pour rentrer des gros trucs. Dylan avec un back-end switch nose press. Droit de réplique, Guillaume Marquis. Bon, Marquis qui va gros. Et là, c'est 1-1 entre Guillaume Marquis et Dylan Ojo. C'est le bris d'égalité. C'est là qu'on va sélectionner notre dernier finaliste de la soirée, la gang. Donc, la confrontation Marquis-Ojo. Marquis en premier avec un tentative de backflip sur le down, flat down. Voyons voir ce que Dylan nous réserve. Avec un 50-50 avec un board slide sur le donkey. Alors, c'est Guillaume Marquis qui passe. On en est aux quatre finalistes, la gang. On remonte en haut pour un dernier jam de 15 minutes, cette fois-ci, best trick. Ça va être très intéressant de voir le déroulement des 10 prochaines minutes. Phil Fournier, on va y souhaiter son back 2. Et voilà! Super bien exécuté, un back 2-1 pour Phil Fournier. C'est dans la poche. Ils ont marqué, concentré. Oh! Wow, avec un backflip fait à la perfection, tout fakey. Mais il va en vouloir plus. C'est un gars qui a faim, Guillaume. Tu le vois, il est en haut, il est motivé, il est encore dans sa zone de confort. Oui! Et voilà. Et voilà. Là, évidemment, ça va mettre la pression sur nos autres riders. Jason Dubois on course. Oh! Wow! Une fois de plus, un autre qui marche sur la pression. Jason Dubois, solide truc. Marc, je suis vraiment surpris, honnêtement. C'est le premier arrêt de la série. La plupart des riders ont en fait pas eu la chance de chausser leur board au cours des derniers mois. On a vraiment eu un bon spectacle, malgré le fait que ce soit le premier de la saison puis les gars sont à froid. On a vraiment eu une finale de qualité. Les gars, ils ont été à 100%. On est habitué avec Jason Dubois qui a des bangers par-dessus la tête à chaque finale. Aussi, on a eu Guillaume Marquis avec son 50-50 front 3 out sur le down flat down qui a époustouflé tout le monde. Je crois qu'on a eu une finale très relevée ce soir, Hugues. Mais là-dessus, justement, on va aller rejoindre Fred au podium. Maintenant, pour le podium de la série Ampère SMF à Québec, premier arrêt,
En troisième place, nous avons Philippe Fournier. En deuxième place, nous avons Guillaume Marquis. Et en première place, faites du bruit pour Jason Dubois. Jason Dubois, félicitations. Merci, merci. Déjà, pour un premier arrêt cette année, la compétition était féroce. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? D'avoir chaussé mon snow puis d'être à l'aise de le rider. Là. C'était pas évident. Il y a un peu de tapis, un peu de neige. On n'a pas des grosses quantités de neige, mais je suis content. J'ai bien ridé puis je suis satisfait. Ouais. Donc, on se revoit la semaine prochaine à Brossard. Oh, ouais. Eh bien, on compte sur toi et on compte sur vous à la maison. La semaine prochaine, la série Empire SMF se poursuit à Brossard. Bonne semaine. We'll be right back.